suite de ce forum débat spécial élection européenne avec Patrick Lehiari, tête de liste du Front de Gauche en Ile-de-France. Monsieur Philippe Juvin, qui est sur la liste majorité présidentielle en Ile-de-France également, la liste de Michel Barnier, et Madame Fadila Meal, qui est troisième sur la liste du MoDem en Ile-de-France. Rebonsoir. Merci beaucoup de me redire bonsoir. Merci beaucoup de votre question. Alors, l'Europe sociale, hein, pour résumer, vous avez parlé en début d'émission, Patrick Lehiari, du capitalisme, de cette Europe néolibérale. Alors, comment faire en sorte qu'elle soit plus sociale? Est-ce que vous avez, vous, des propositions concrètes dans ce sens? Bah oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire créer les conditions de l'augmentation des rémunérations du travail, c'est-à-dire il y a un transfert considérable. Désormais reconnu par tous les rapports officiels, même ceux qui sont remis au président de la République, comme ça a été le cas il y a quelques jours, il y a un transfert considérable des richesses produites par le travail vers le capital. Donc il faut arrêter cela et créer les conditions d'amélioration des rémunérations dans tous les pays de l'Union européenne. Et nous, nous proposons d'aller vers un salaire qui prennent la moyenne des salaires européens, c'est-à-dire de les augmenter dans le cadre d'un processus pour aller vers le haut. D'autre part, puisque la France est plutôt dans le haut en matière de protection sociale et de salaire, oui. est-ce que certains de nos concitoyens pourraient comprendre, en écoutant votre raisonnement, que ça conduirait à une certaine remise à niveau aussi de la France et une perte de droits? Non, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, une augmentation de 250 à 300 euros de tous les salariés de l'Union européenne, ça fait un SMIC à 1600 euros en France. Mmh. Et ça augmente les salaires dans l'ensemble de l'Union européenne, mais évidemment, il faut un processus général d'augmentation, d'harmonisation sociale par le haut, en se donnant des moyens considérables qu'il faut se donner. Secondement, on ne peut pas avoir une Europe avec 106 millions de personnes qui soient en situation de chômage, de sous-emploi, de précarité, de pauvreté. 108 millions de personnes, ce qui est considérable. Donc il faut créer les conditions aujourd'hui d'assurer une sécurité de vie à tous les individus dans toute l'Europe. Et avec un service public européen du travail, de l'emploi, pour éradiquer le chômage et la pauvreté rapidement. D'autre part, il n'y a pas d'Europe sociale, il n'y a pas d'Europe de la solidarité à l'intérieur de l'Union si on ne défend pas des services publics et si on n'élargit pas même le spectre des services publics. Aujourd'hui, c'est une question d'égalité des citoyens devant les biens communs de l'humanité. Patrick Lehiari, sur la coopération Nord-Sud, Europe et Sud, Oui, c'est une grande question. L'Europe a un rôle déterminant à jouer pour éliminer la dette du tiers-monde, pour augmenter l'aide publique au développement et de construire des projets de coopération mutuellement avantageux. Il faut voter pour qui, ça, pour quelle force qui... Parce que toutes les forces ne sont pas d'accord là-dessus. Je ne sais pas. En tout cas, c'est aux actes qu'il faut toujours juger. Et en tout cas, nous portons cette idée-là d'une Europe solidaire avec l'ensemble des autres.